Bonjour à tous, Et coucou. c'est Lolo, pile. Donc, qui dit samedi dit randonnée. Donc, nous sommes le samedi 24 avril. Oui, Voilà, déjà. déjà. Donc, nous sommes à Vers, sur la commune de Vers, donc qui est à 14 km de Cahors, où nous habitons, mais qui est dans le cercle. Oui. Voilà, ça c'est très important à dire. Donc, qui est dans le cercle des 10 km, à la limite. Donc, on est à la frontière du cercle. Donc, temps magnifique. Il fait 14 degrés ici, 4 degrés là. Voilà, c'est pour vous Mais il expliquer fait frais là, tout les est différences. humide. Les différences. Donc, voilà, moi je suis en chemisette. Et un short léger, vous voyez, Et j'ai moi mis les le navets. bandeau parce qu'ils annoncent 28 degrés aujourd'hui. Donc, pas un nuage, rien du tout. Voilà, on va Donc, avoir une nous sommes belle sur la journée. commune donc de Vers. Là, on a fait 1 km. Donc, pour se rapprocher du ruisseau, voilà, qui est derrière nous, qui s'appelle le Vers. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo cette semaine. Donc, le Vers, en fait, était. Prend sa source donc dans je vais y arriver à l'oppidum de Mursens qui est pas très loin. Donc sa source est par là. Donc eh bien, les Romains à l'époque ils récupéraient donc l'eau de ce ruisseau et avec un aqueduc l'acheminaient donc à Cahors. Voilà. Donc l'aqueduc, suivant le temps qu'on aura tout à l'heure, peut-être qu'on va y monter. Ça serait sympa. Vous voyez des images. Donc mis à part ça, Vers, pourquoi le nom de Vers? Eh bien, parce que Vers, ça, en vieil occitan, ça se disait Vernon. Et Vernon, en fait, c'est bois d'aulne. Voilà. Donc là, on va longer le ruisseau pendant quelques kilomètres. Là, on a déjà fait un. Et ensuite, eh bien, on attaque la montée pour vue sur la vallée du Lot. Voilà. C'est une des premières randonnées qu'on a fait quand on s'est connus il y a 3 ans. Fait la première plus longue, on va dire, parce qu'on avait fait des petites randonnées de 6, 7 km, etc. Donc là, c'est vraiment la première, La plus longue qu'on la a plus longue faite. qu'on a faite. Hein. Ouais, Donc c'est elle pas mal. fait 14 km. Bon, là maintenant, c'est notre standard minimum. Donc voilà, enfin, dans ces eaux-là. Donc voilà sur le topo. Mais le dénivelé, j'en sais rien. Parce que On y arrive. c'est l'application Circuit Randonnée Lot et Dordogne. Dordogne, ouais. Il Donc n'a ils pas affichent le de. circuit avec le GPS. Bon, on n'en a pas vraiment besoin parce que c'est très bien balisé, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Oui, puis on la connaît. Et on la connaît. Et il n'y a pas de topo, enfin ils ne font pas le topo du dénivelé, donc ben, vous le saurez quand on sera revenu. Ce sera la surprise. Donc voilà, donc là on est hors du circuit, bon pas loin, on descend un tout petit Oui, chemin comme pas vous venez de loin. le voir, pour amener jusqu'au ruisseau. Donc c'est un endroit où on aime bien venir l'été en principe, on vient se tremper là. Voilà. Et on monte un peu plus loin derrière. On Super s'assoit sympa. tranquille, c'est au bord de l'eau, l'eau elle est fraîche, l'été, nickel. Là elle doit être fraîche aussi, Ouais. je suppose. Voilà. Donc Odile m'a dit qu'elle allait se tremper. C'est ça, oui. Non, bon, ok. Je te laisse y aller tout seul. Donc c'est un petit havre de paix, voilà. Bon, surtout prévoir l'anti-moustique, Ouais, voilà. Ça c'est clair. c'est clair, surtout que moi je réagis Très vite. Hein. assez vite, moi ça me fait des gros boutons. Enfin bref, on s'en fout. Donc c'est parti pour 14 km, enfin 13, il en reste plus que 13. Et bien, Ah là écoutez, là là, on est on là. fera des vidéos au fur et à mesure. Donc randonnée nature, on va en prendre plein les yeux, la végétation, Ah. les Là avec ours, le temps, les ours. les voilà, etc. J'ai vu passer une dorade tout à l'heure. Elle nous a dit bon courage, voilà. Donc on est bien, c'est un endroit sympa. Bon, à savoir que Vers fait partie d'une étape donc du GR65 Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc les gens qui arrivent sur Cahors, ils prennent la variante de la vallée du Célé, passent par le village de Vers. C'est à voir, c'est sympa, vraiment. Donc là, vous êtes en dehors de la boucle, mais quand vous traversez le village, en fait, vous pouvez descendre
vous mettre au bord de l'eau et à l'embranchement où le Vers se jette dans le Lot. Donc c'est très joli. Voilà, puis ben là, le temps, nickel. Le temps s'y prête. Voilà. Avant la pluie. Bon, on vous laisse et on continue. Nous. Allez, bisous, à tout à l'heure. Et coucou. Donc il est exactement 11h. Donc nous avons fait en 1 heure 4 km 3 je crois. Voilà, bon, rien de particulier puisque la topographie du terrain, donc c'est on longe le ruisseau et ensuite on attaque une grande côte et en fait on mangera tout à l'heure donc sur les coteaux avec point de vue sur la vallée du Lot. Donc voilà, alors pour vous dire, voilà, donc on est arrivé de par là, pour ceux qui connaissent, donc tourner à droite, tourner à droite, même le panneau nous le dit. Et voilà, donc on attaque la montée là et ça monte pendant quelques, je crois que c'est 2,8 km. Voilà, on va à Merlan exactement. Voilà, après vous avez d'autres circuits, donc là pour aller à la Bastide de Murat 19 km, Crasse 8,9 km, enfin voilà quoi. Voilà. Voilà, voilà, mais avant tout, bonjour. Et avant tout, voilà, on arrive. On est à côté du ruisseau, donc on va quitter le ruisseau. Et on est prêt donc pour la pause café barre de céréales. Vous me voyez. Coucou. Donc on s'arrête là. On est au bord du ruisseau, tranquille. Je venais de dire bonjour à un monsieur qui est un pêcheur. Et donc après on monte. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Thank you.
beaucoup. Donc, que je vous fasse le topo. Donc, nous venons de par là. Nous allons par là. Il est 13h, nous avons fait 10 km. Mais avant tout, c'est la pause casse-croûte. Donc un petit coin d'ombre. Vous voyez, elle enlève son chapeau. Parce qu'il fait chaud. Un mur en pierre et tout à béné. Donc aujourd'hui, on n'a pas oublié le pain. Le petit pain du sportif, ça s'appelle. Oh, ben c'est avec des fruits confits, avec un peu de tout, voilà. Mais qui est très bon. Alors, la salade. Je ne sais pas si vous allez la voir. Oula, en gros plan. Pâtes, tomates, pommes de terre, fromage, saucisse de Strasbourg. De Strasbourg, oui. Oignon. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Des flocons d'avoine. Et des graines de sésame. Vinaigrette avec huile d'olive, sirop de violette et t'as mis quoi? Du vinaigre. Lequel? On va savoir. À l'estragon. Vinaigre à l'estragon. Voilà. Et le petit cake avec les graines de goji, enfin les baies de goji, les insectes, noisettes, noix, la poudre d'amande. J'ai même mis des cacahuètes dedans. Il nous restait des cacahuètes d'apéro, donc voilà. Des cacahuètes, des pistaches et des noix de cajou. Voilà. Tout va bien. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Pas de soucis. Bon, il nous reste, donc on mange, il nous reste 4 km. Donc là, on est à l'ombre. Pour ça qu'on mange maintenant. On n'est pas trop mal. Parce qu'après, on doit aller au point de vue de la vallée. Et c'est une partie où il n'y a pas d'ombre du tout, ouais. Pas un arbre. Donc c'est normal, on sera en haut de la falaise. Donc voilà. Voir, hein, la vue et l'ombre. Hein. Et l'ombre. Donc, comme je suis un garçon difficile, que j'aime bien manger à l'ombre, l'endroit... Voilà, et vous entendez le coucou. Oui, et le bruit qu'il y a. Voilà. On est pas mal. Voilà, voilà. Donc on n'est pas trop mal. Ouais. Donc on vous dit à tout à l'heure. Et bisous. D'accord qu'on aime tous, on se dit oh là là, ça monte, mais bon, mince, ça vaut le coup. Alors je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'a priori ça souffle un peu en haut. Rocher du Pointu. Pour le point de vue. On va mettre le rocher là-bas. On va aller au rocher du Pointu. Donc avec le vent, hein, je vais essayer. Chapeau s'envole. Donc vallée du Lot, encore un des méandres, et vu sur la ville de Saint-Géry qui est en bas. Ouais. Voilà, alors Saint-Géry. Derrière.
continuer pour aller au rocher du pointu. C'est pas celui-là. C'est le prochain. Non, c'est celui-là, je sais plus. C'est là. Voilà. Bon, j'ai oublié mon parapente. Oui, ok, il faut monter, mais bon, après on a des points de vue comme ça quand même. Hein? Vous voyez les falaises encore là-bas. Vers c'est caché par le rocher qui est là, donc nous on redescend derrière. Voilà. Ça c'est audible. Montre le retour. Voilà. Le temps s'y prête. C'est déjà pas mal. Allez, à tout à l'heure pour la vidéo de fin. Hein. Bon. Voilà. Allez. On va se mettre plus vers l'ombre. Voilà, si vous entendez plouf, c'est qu'on est tombé dans l'eau, c'est normal. Donc randonnée terminée. Donc annoncé 14 km, ben, on en a fait 15. Ouais. C'est pas précis. Donc on a fait 1 km 100 de plus en 3h50. Voilà. 380 mètres de dénivelé, c'est une côte. Point. Mmh. Bon, j'avais dit 2 km de montée, mais bon, ouais, fait 1,5 km. Ouais. Mais bon, voilà. Normal, c'est dans le Lot. Hein? Ça monte, ça descend. Il n'y a rien de plat ou c'est mal plat. C'est mal plat. Voilà. Donc, super temps, très belle randonnée. On l'avait faite il y a 2 ans et demi. Mais on oublie, hein. Mais bon, c'était top. Top. Ouais. Ah oui, c'est. Ouais. C'est une belle randonnée à refaire aussi. J'ai pas la micro, j'ai oublié. Ouais, c'est vrai, non, elle était très bien, surtout avec un temps comme ça. Donc voilà, on a eu chaud. C'est ouais, on a eu chaud. Après c'est trois quarts à l'ombre quand même. Mais quand ça a tapé. Mais quand on est en plein soleil, ça tape quoi. Donc, ouais, là il fait 28, donc bon, on est plus habitué à. Quand ça va reprendre régulièrement ses températures, d'adaptation. Ça va le faire. Mais là, pour l'instant, il faut qu'on se remette un peu dans les températures comme ça. Donc voilà, c'est ici que se termine cette randonnée ce samedi. Ouais. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Donc, je ferai sûrement une vidéo matérielle dans la semaine. Mais randonnée pour nous, ça sera soit vendredi, soit dimanche. Là, il y aura de la pluie. Pour l'instant, ils avaient annoncé de la flotte ce week-end et vous voyez le temps qu'il fait. Donc bon. Ouais, a priori, ils n'annoncent pas une semaine bon, super terrible, mais bon. Il veut pleuvoir toute la semaine. Maintenant, il pleut demain, il fait beau mardi, il pleut mercredi. Enfin, oui, il fait beau mercredi, il repleut jeudi. Donc bon. On verra. Ça ne sera pas samedi, ça c'est sûr. C'est soit vendredi, soit dimanche. Voilà. Parce que samedi, il y a rugby. Voilà. Forcément. Demi-finale de Coupe d'Europe de rugby. Donc. Pas de rando. Et voilà. Bon. Donc, écoutez, on vous laisse. N'oubliez pas de liker, de parler de nous, de partager, de nous donner des idées si on peut faire des vidéos éventuellement. Voilà. C'est tout. Donc, on vous dit bonne semaine et à bientôt. Suite à la prochaine. Allez, ciao. Bisous, les amis.